Kunzu. Good evening, Doctor. Welcome to this program. Thank you very much, Mr. Helundu Engama. And, but I'm really sorry that my English is not good as your French is. And for this reason, I think you can allow me to continue this interview in French. Well, certainly I would welcome that, although at the same time I must say that my French may not be quite as good as that, but I'll try. I know your French is better than my English can be, and that's the reason why I'm going to continue in French. No, I think we can work on that basis, certainly. Thank you. Yes. Docteur, donc, il est curieux, poursuivant votre présentation, il est curieux donc de voir aujourd'hui, de vous voir à l'avant-garde du combat pour le fédéralisme, puisque de 1982 à 1990, vous étiez chargé de mission au comité central du RDPC, et de juillet 90 à juillet 92, vous étiez le secrétaire aux affaires économiques et sociales dans le même parti. On peut dire que vous êtes un transfuge. Enfin, un transfuge, je ne pense pas. J'ai toujours soutenu, et je l'ai fait, au sein des travaux du comité, pendant les travaux du comité technique de rédaction des questions constitutionnelles dont j'ai été membre, que je ne voyais pas d'incompatibilité entre le retour au fédéralisme et mon militantisme, encore moins ma responsabilité au sein du RDPC. Pour la simple raison que, comme pour tant d'autres questions d'une importance nationale, mon parti ne s'était jamais réuni pour en débattre, de manière à ce qu'on puisse dire, mais voici la position du RDPC sur cette question. RDPC parti au pouvoir, on peut imaginer facilement que sa position est en faveur de l'État unitaire. Ça veut dire que vous êtes resté tout ce temps dans ce parti sans en partager les options fondamentales? Pas forcément. Le RDPC est le parti au pouvoir, d'accord. Mais un parti au pouvoir adopte quand même une politique. Et pour adopter une politique, il faut un débat en son sein. Et c'est au terme de ce débat qu'on arrête une politique sur tel ou tel sujet. Et je pense que l'État, la forme de l'État, est tellement important, une question tellement importante, qu'on ne devrait pas présumer. Et de toute façon, que ce soit cette question ou toute autre, en démocratie, on ne dit pas que l'opinion, le point de vue du leader, du dirigeant d'un parti politique est automatiquement la politique de ce parti. Le dirigeant a le droit de soumettre à la discussion, au débat au sein de son parti, ce qui peut être son idée initiale, ce qui peut être son désir, sa prise de position. Mais pour que ça devienne la position du parti, il faut quand même un certain processus. Plus loin dans cette émission, vous allez nous dire de façon plus concrète qu'est-ce que cela suppose pour vous, ce retour au fédéralisme. Mais avant cela, on vous a vu mener la campagne précisément aux côtés du candidat qui se présentait comme étant le candidat de l'Union pour le changement. Et ceci survenant peu après avoir perdu votre poste au comité central du RDPC. Mmh. Est-ce pour cette raison que vous avez changé de bord? Pas du tout, pas du tout. Tout le monde le sait, y compris les spectateurs, les téléspectateurs, ceux qui suivent les émissions à la CRTV, que ce soit radio ou télévision. Je n'ai pas attendu perdre mon poste au sein du RDPC pour me plaindre sur certaines prises de position dans mon parti, pour me plaindre sur la manière dont les choses étaient conduites dans mon parti, et tout cela dans le souci très sincère de l'amélioration. Que je ne sois pas bien compris par certains qui ne partageaient pas mon point de vue, cela peut se comprendre. Mais on ne dira quand même pas que Simon Munzu a attendu jeté de son siège, de son fauteuil de secrétaire aux affaires économiques et sociales du comité central du RDPC pour
critiquer le parti. Aujourd'hui, où vous situez-vous politiquement? Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais apporter une précision sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Il n'est pas exact de dire que j'ai battu campagne pour le candidat du RDPC, de l'Union pour le changement. Il ne faut pas de malentendus à ce sujet. Vous savez, il y a, et surtout pendant les mois qui précédaient le mois d'octobre l'année dernière, il y a eu une volonté bien marquée de la part des Camerounais pour le changement. Et moi, j'aurais souhaité que mon parti mène cette mouvance vers le changement. Mais c'est une question peut-être d'interprétation de la situation politique. Je n'insiste pas là-dessus, mais personnellement, et suite à certaines initiatives que j'avais prises au sein de mon parti, j'ai eu la conviction que ce parti-là ne pouvait pas nous mener en tant que pays à ce changement. Alors, il faut comprendre que, à l'évidence même, le nombre de votants, les résultats. C'est ça que vous avez choisi. Alors donc, cela se fait même en démocratie et dans la politique. Vous voyez, dans le pays où ces choses-là sont bien développées, il y a des moments où un député, par exemple, vote précisément avec l'opposition sur un problème donné parce qu'il n'est pas d'accord avec son propre parti. Cela est permis. Alors, j'ai donc, pour la circonstance, et en faisant écho en cela, l'attitude de milliers de militants du RDPC. J'ai soutenu la candidature de M. Frondi en tant que candidat de l'Union pour le changement. Ça veut dire que vous gardez quelques sympathies avec le RDPC? Garder les sympathies. Vous avez pris l'exemple d'un député qui peut voter contre son parti. Oui, bien sûr, si le RDPC était suffisamment tolérant. Je ne vois pas pourquoi on se sentirait la nécessité de sortir du RDPC pour critiquer l'action de son propre gouvernement. Vous l'avez fait pourtant étant dans les rangs du RDPC. Mais bien sûr. Et dans quelles conditions? Parce qu'il faut qu'on accepte qu'il soit tout à fait normal qu'un militant engagé de son parti puisse critiquer ses actions. Et là, Vous l'avez souvent fait. Oui, je l'ai souvent fait. Vous parlez de tolérance alors? Oui, je l'ai souvent fait, mais quelles ont été les réactions? Je ne veux pas entrer dans les détails. Vous voyez? Alors, mais ce que je dis, surtout maintenant que je ne suis plus militant du RDPC. Alors, vous vous définissez comment? Politiquement, vous êtes. Politiquement, je n'appartiens en ce moment à aucun parti politique. Mais je sais qu'il y a dans mon pays des problèmes d'ordre politique qui mérite d'être examiné, et qui mérite qu'on y trouve des solutions, et qu'un Camerounais qui veut le bien de son pays peut participer à la recherche de ces solutions sans que cela soit sur la base de plateformes de tel ou tel parti politique. Je vous remercie. Je voudrais vous proposer maintenant d'écouter le premier élément de cette émission. C'est la chronique politique qui aura deux volets cette semaine. Le premier volet revient sur les célébrations justement de la 21e fête du 20 mai, donc le 21e anniversaire de l'État unitaire. C'est une chronique signée Serge Candontonnet qui revient également sur un certain nombre d'événements politiques qu'il y a eu cette semaine, notamment quelques ambassadeurs accrédités à Yaoundé. Chronique Serge Candontonnet. Le Cameroun a célébré jeudi dernier le 21e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire. À Yaoundé, le chef de l'État a présidé un imposant défilé au boulevard du 20 mai, parade marquée par plusieurs innovations et par des attractions. Ce défilé a regroupé les forces du maintien de l'ordre, les composantes de nos forces armées, la jeunesse scolaire et estudiantine, les militantes et les militants du MDR, Mouvement pour la défense de la République, du PRPC, Parti républicain du peuple camerounais, du PNP, Parti national pour le progrès, de l'UPC, Union des populations du Cameroun, de l'UNDP, Union nationale pour la démocratie et le progrès, et enfin du RDPC,
Rassemblement démocratique du peuple camerounais. En fin d'après-midi, au Palais de l'Unité, le président Biya a offert une chaleureuse réception à laquelle ont pris part plus de 3000 invités. Des manifestations similaires se sont déroulées dans les chefs-lieux de province et dans les autres localités du pays. La célébration du 21e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire nous vaut l'hommage des pays étrangers dont les leaders ont adressé des messages de félicitations au président Biya. En même temps qu'il symbolise le triomphe de l'unité nationale, l'événement consacre aujourd'hui le caractère indivisible de la République du Cameroun, désormais engagée dans une étape nouvelle et décisive de son histoire, l'édification d'une société plus ouverte, plus solidaire et plus démocratique, et la lutte contre la crise économique. La veille déjà, c'est-à-dire mercredi dernier, le président Biya a reçu dans l'après-midi au Palais de l'Unité les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs. Premier ambassadeur à se présenter sur le plateau, Gilles Vidal, 47 ans, nouvel ambassadeur de France au Cameroun. Avant sa nomination, Gilles Vidal occupait les fonctions de chargé de mission à la présidence de la République française. Deuxième ambassadeur a présenté ses lettres de créance mercredi dernier au président Biya, Peter Blickenberg, ambassadeur du Danemark au Cameroun avec résidence à Copenhague. Ce ballet diplomatique a pris fin avec la présentation des lettres de créance du nouvel ambassadeur de Suède au Cameroun. Il s'appelle Karl Erad Lindahl. Il aura pour résidence Lagos au Nigeria. Voilà, docteur Simon Munzu, vous avez célébré comment ce 21e anniversaire de l'État unitaire? Célébration, je n'ai pas célébré particulièrement. Si cela avait été présenté comme étant la fête nationale. C'est la fête nationale. Oui, effectivement, c'est la fête nationale. Mais vous voyez, une fête nationale qui a une signification que je ne partage pas, je n'en fais pas un secret, célébrer l'avènement de l'État unitaire. Mais une célébration, mais plutôt une signification qui reste celle en vigueur. Bien sûr. Est-ce qu'on n'a pas le devoir de respecter ce qui est établi en attendant qu'éventuellement ça change? Oui, enfin, disons, je ne conteste pas le fait que cela soit la fête nationale. Donc, à cet égard, je me conforme, si vous voulez, à la loi. Je n'ai jamais écrit quelque part ou bien dit quelque part que cela ne devait pas être la fête nationale. Et vous ne l'avez pas célébré? Mais je ne l'ai pas célébré parce que pour célébrer, il faut effectivement être content. Je ne suis pas content. Vous n'êtes pas content de cette fête? Bien sûr que non. Vous étiez où pendant cette fête? Je l'ai passé, j'ai passé toute cette journée, toute la journée chez moi. Et lorsque vous voyez tous ceux qui, à travers le pays, l'ont célébré, vous vous dites quoi? Vous n'avez pas l'impression qu'il y a quand même une mouvance générale qui accepte de célébrer ça? Enfin, disons, une mouvance générale, vous savez, nous sommes 12 millions, sinon plus, de Camerounais. Bon, quand on nous passe des images à la télé, j'ai vu effectivement, il est foule, oui. Mais par rapport à ces millions de Camerounais, qu'est-ce que ça a donné, effectivement? Vous croyez qu'il y a combien de Camerounais qui pensent comme vous? Enfin, là également, je ne me suis pas donné, je n'ai pas eu l'occasion, si vous voulez, de compter. Mais ce que je sais, c'est que pour la partie surtout du pays qui est préoccupée par ce problème, par cette question, je dirais que la plus grande majorité pense comme moi. Comment vous le savez? D'abord, j'ai vu dans cette communauté-là. Deuxièmement, vous avez vous-même vu tout récemment une manifestation de cela. En me présentant tout à l'heure, vous avez élevé le fait que j'étais l'un des initiateurs de la All Anglophone Conference. Qui avait 5000 personnes. Bien sûr, mais je voudrais bien savoir combien de réunions de ce genre-là on a pu compter 5000 personnes. Et puis, il faut bien remarquer, les initiateurs étaient qui? Simon Munzu, Carlson Anyangwe, Maître Ekontan Elad, ce qui ne jouissent d'aucune, pouvoir ou autorité étatique, de simples citoyens, mais pour que ces trois simples citoyens puissent réunir ce monde
il faut quand même donner à la à l'événement sa, sa propre valeur, d'autant plus pourtant que... la fête a été célébrée au nord-ouest comme au sud-ouest. Mais bien sûr, nous ne disons pas et nous ne souhaiterons pas que toute la communauté anglophone soit unanime à ce sujet. Ça serait idéaliste et même fantaisiste. Il y a les gens qui peut-être diront que, bon, d'accord, malgré tous les arguments que vous portez à ce sujet, que ce soit sur le plan juridique, purement politique, même socio-économique, bon, malgré tout cela, laissons les choses en l'état. Il doit y avoir des gens de cette... Mais, et cette attitude pourrait bien être encore plus valable sur un plan purement démocratique, de se soumettre à ce qui est encore en vigueur, même si on combat à changer les choses. Mais bien sûr, il faut que ça... Si on accepte, vous ne le percevez pas, monsieur Lundiangama, il y a une contradiction à ce que vous dites. Si on constate qu'une chose mérite d'être changée... Et cette chose est établie encore comme loi. Comme je dis, je n'ai jamais contesté que c'est la loi. On a le devoir de respecter les lois. Bien sûr. Et est-ce que j'ai constaté on n'est pas obligé d'aller assister à une fête, n'est-ce pas? Et je répète, on ne conteste pas la légalité en ce moment de la date du 20 mai comme étant la fête nationale. Mais s'il fallait à tout moment ne jamais s'opposer, si vous voulez, à une loi qui est applicable, il n'y aurait jamais de réforme, n'est-ce pas? Alors, il faut peut-être que j'ajoute que vous avez suivi la suite de cette All Anglophone Conference. Après cette rencontre, que, permettez-moi de le dire, pour m'en plaindre, ce n'est pas pour la première fois, parce que là nous avons écrit de manière formelle. Nous avons écrit une lettre de protestation au directeur général de la CRTV, mon hôte aujourd'hui, avec... Vous avez l'occasion de dire tout ce que vous n'avez pas pu dire jusque-là, ce soir, au sujet de cette All Anglophone Conference. Je souhaiterais bien. Voilà. Je voudrais maintenant vous proposer de suivre le deuxième élément de cette émission. Vous vous souvenez, lundi dernier, donc, le comité technique issu de la tripartite, auquel vous apparteniez d'ailleurs, chargé donc de l'élaboration de l'avant-projet de révision de la Constitution, a remis sa copie à son Excellence le Premier ministre. Je voudrais sur le fond de cette Constitution, de ce projet remis, vous proposer de suivre le président de ce comité, le professeur Joseph Ouna, dire de façon rapide qu'est-ce qu'on retrouve dans ce projet. Sur le plan du fond, je crois que notre ambition aura été tout à fait modeste, c'est-à-dire être fidèle au mandat qui nous avait été donné par la tripartite, être fidèle aux bases constitutionnelles que la tripartite avait proposées. Le texte va suivre ces bases. Ce texte présente un long préambule, un préambule qui fixe la personnalité de l'État camerounais, un préambule qui affirme une république de droit, un préambule qui affirme une république de la démocratie, un préambule qui affirme une république attachée à la solidarité africaine, un préambule qui affirme le droit du peuple camerounais de disposer de ses propres ressources. Il y a un premier titre qui est un titre sur les libertés. Il y a un titre sur le pouvoir exécutif, un pouvoir exécutif tout à fait articulé entre un président et un gouvernement. Un pouvoir législatif où on voit dans la monarchie anglo-saxonne un Sénat. Un Sénat qui serait la représentation de ce Cameroun des sages, de ce Cameroun des anciens, de ce Cameroun de la réalité, de ce Cameroun du pays réel, de ce Cameroun de la diversité. Il y a également les rapports entre l'exécutif et le législatif, rapports qui sont réglés, qui sont codifiés pour permettre la cohérence de l'action gouvernementale et pour permettre la stabilité. Il y a un pouvoir judiciaire rénové, vous verrez, les propositions qui ont été faites avec un conseil des affaires judiciaires suprême, avec une cour suprême, avec une cour des comptes, avec un conseil d'État.
Il y a enfin ces organismes qui sont apparus ces derniers temps, qui sont les hautes autorités, une haute autorité en matière de la communication et une haute autorité en matière de la fonction publique. Nous avons également esquissé un statut de l'opposition, esquissé des dispositions finales qui permettraient de faire la transition entre la constitution actuelle et la constitution nouvelle. Cette œuvre reflète le mandat de la tripartite. Et il conviendrait de le souligner avec force. Il n'est pas le travail d'un parti. Il n'est pas un texte gouvernemental. C'est un texte qui reflète le mandat qui nous a été donné. Docteur, est-ce que vous connaissez ce document? Le document lui-même, je l'ai parcouru depuis... Vous l'avez seulement parcouru, vous devriez le connaître pour avoir été désigné dans cette commission qui travaillait à sa confection. Oui, justement, j'ai été désigné membre de ce comité technique sur la rédaction des questions constitutionnelles. J'ai assisté à une série de séances de ce comité. Effectivement, dès la séance inaugurale du 27 novembre 1991 jusqu'à la suspension des travaux le 14 février 1992. Et depuis cette date, à ma connaissance, on ne s'est plus réunis pour travailler. Oui, mais vous aviez déjà fait un travail quand même à ce moment. Oui, mais... On parle de 23 séances. Mais bien sûr, monsieur Lundu, même si c'était 23 000 séances, est-ce qu'il y a vraiment une signification au nombre de séances? Ce qui importe, c'est ce qui résulte de ces séances. C'est ce texte de 167 articles qui a été élaboré, adopté, proposé, de quelle manière? Parce que voyez-vous, si on a constitué un comité, à mon sens, c'est parce qu'on a estimé qu'il ne serait pas souhaitable qu'un seul homme ou un seul groupe, un nombre très restreint de gens... Vous dites le contraire de ce que soutient le président, appuyant d'ailleurs ce qu'il soutient du paraphe, n'est-ce pas, de ce document. Vous étiez 11 membres, oui. 8 membres sur 11 ont paraphé. Je me permets. Et comme par hasard, les trois qui n'ont pas paraphé sont ceux qui ont lancé... Mais voilà, vous dites comme par hasard, mais pour nous, ce n'est pas le hasard. C'est dû à quoi? Enfin, si on a... Je ne sais pas si on a... D'abord, j'allais dire tout à l'heure, je ne sais pas si on nous a exclus à un certain moment, mais je préfère ne même pas poser la situation de cette manière-là, parce que j'aimerais, surtout dans la mesure où j'ai vu dans la presse de la semaine qui vient de s'écouler, le président de notre comité aurait fait publier dans certains numéros de la Cameroun Tribune le facsimilé, dont la photocopie, si vous voulez, de certaines feuilles de présence, l'une se rapportant à la séance du 3 janvier 92 et l'autre à la séance du 11 janvier 92. Et comme nous insistons, nous avons travaillé du 27 novembre 91 jusqu'au 14 février 92. Et si l'on peut... Vous n'avez rien fait de substantiel à ce moment. Excusez-moi. Ouais. Si l'on peut donc nous montrer les feuilles de présence qui ont été remplies et signées, qu'on a publié entre le 6 mars 92, date à laquelle il était convenu qu'on reprenne les travaux, et le 17 mai dernier, donc qu'on nous montre les feuilles de présence relatives à cette période, plus d'un an. Vous voyez? Et à cet égard, moi, il n'y a pas eu une pause pour à cause du calendrier politique qui avait les élections, élections. Je pense savoir qu'il y a eu une pause. Justement, mon cher ami, effectivement, il a eu une pause. Et pour ces motifs-là, justement. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez que les élections législatives devaient avoir lieu... Nous étions en mars. Voilà, ont effectivement eu lieu le 1er mars 92. Alors, à deux ou trois semaines de cela, les membres du comité ont été estimés qu'il était nécessaire de suspendre le travail. Pourquoi? Parce que notre président, par exemple,
le professeur Wona, menait la campagne, il était chargé, si vous voulez, de la campagne du RDPC dans l'océan. Le ministre Etoy, elle était également chargé dans le département de la Mémé. M. Ateba Ngwa, leader des partis politiques, évidemment, avait le souci d'aller organiser la campagne de son parti. Maître Edmond Loé était lui-même candidat pour le compte du RDPC dans la Sanaga-Maritime. Donc, il était normal que nous suspendions les travaux pour permettre aux collègues d'aller participer tant qu'ils s'en fallait dans la campagne de leur parti. Mais quand même, pendant... Excusez-moi, c'est très important. Uh-huh. Vous permettez que je termine, parce que là, d'autant plus que le président a voulu donner l'impression que nous avons non seulement assisté, mais qu'on n'a pas voulu assister. Et je pense que c'est le Cameroun tout entier qui a intérêt à suivre ces choses-là. Il n'est pas question, le président d'un côté, nous de l'autre côté, on n'est pas au tribunal, mais il est important que les faits soient rétablis. Alors, je disais donc qu'il était entendu que nous allions reprendre les travaux le 6 mars, donc le premier vendredi du mois de mars. Et je peux vous dire, M. Lundi Ngama, que depuis ce jour, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas reçu de convocation. Par contre, j'ai ici, si vous permettez, un échange de correspondance entre le membre du comité et notre président. Alors, le premier document, c'est une lettre en date du 20 août 1992, signée de 7 membres sur 10 qui auront pu signer, y compris Carlson Anyangwe, André Ateba Ngwa, Sam Ekontan Elad, Étienne Lekene Donfak, François Mbome, Bernard Momo, Simon Munzu. Et qu'est-ce que nous disions dans cette lettre adressée à notre président ? 5 ou 6 mois après la date du 6 mars, nous disions, et vous permettez, parce que là c'est une question d'ordre, c'est très important, nous disions essentiellement ceci. Le 14 février, le comité a suspendu ses assises afin de permettre à ceux de ses membres, militants de divers partis politiques, participant aux élections législatives du 1er mars 1992, de prendre part à la campagne électorale devant précéder le scrutin. Il avait été convenu à cette date que le comité reprendrait ses travaux le premier vendredi après les élections, donc le 6 mars 1992. Nous nous étonnons de ce qu'à ce jour, 5 mois après, le comité n'ait toujours pas repris les travaux. Ceci est d'autant plus préoccupant qu'à la date où le comité suspendait ses travaux, il en était encore à la première phase consistant à étudier la première rédaction de proposition de révision de la Constitution. Suite à votre nomination le 9 avril au poste de secrétaire général de la présidence de la République, au cours de la visite de félicitations que les membres du comité vous ont rendue à cette occasion, vous nous avez fait savoir que vous comptiez rester président du comité, que celui-ci allait désormais se réunir à la présidence de la République et très probablement le samedi seulement, et que les travaux allaient bientôt reprendre. Après avoir attendu 5 mois, au cours desquels le comité semblait avoir été mis en veilleuse, nous, les membres du comité sous-signé, nous permettons de vous adresser la présente lettre pour vous prier de bien vouloir nous éclairer sur le sort qui aurait été réservé au comité et de nous dire quand vous envisagez de nous convoquer à la reprise des travaux dont la nation tout entière attend les résultats avec impatience et espoir. Veuillez croire, etc. Les 7 ont signé. Ouais. Voilà. Alors, quelques semaines plus tard, le 5 octobre, le président de notre comité écrit à chacun de nous. Et il dit, cher commissaire, suite à votre correspondance du 20 août 1992, j'ai l'honneur de vous rassurer
que nos travaux n'ont été ni suspendus, ni arrêtés. Le manque de moyens disponibles les a effectivement ralentis. La première épure du texte et le compte-rendu de nos travaux ont été traduits et vous seront remis. Les échéances électorales actuelles ont seules fait reporter la reprise de nos travaux, qui du reste sont à leur phase finale avec une descente dans les provinces et un voyage d'études en Europe et en Amérique. Alors, cela... Vous voyez bien que... Il s'avère finalement qu'il y avait déjà un certain travail qui a été fait. Vous permettez, ce n'est pas tout. Parce que cette lettre est datée du 5 octobre. Oui. Vous voyez bien. Nous sommes déjà en pleine période électorale bien encore. Bien sûr, bien sûr. Mais, 72, moins de 72 heures plus tard, le 8 octobre, le président de notre comité a donné... accordé une interview à la télévision, hein, dont l'essentiel a été reproduit le lendemain dans la Cameroon Tribune du 9 octobre, où il disait déjà à cette date, suite à cette réponse, la nouvelle constitution est prête. La nouvelle constitution est prête, n'est-ce pas? Alors, et justement, j'ai pensé... Le problème n'est-il pas de savoir maintenant, en fait, dans ce qui est sorti comme projet, et par rapport à vos discussions que vous avez eues, n'est-ce pas, jusqu'en février, comme vous dites, est-ce que ce n'est pas fidèlement qu'on a repris les points de vue qui sont contenus dans le projet? Oui, justement, c'est là qu'il y a problème. Parce que justement, cet avant-projet ne reflète pas ce qui a été la substance de discussion, de débat au sein du comité. Comment justifier qu'il soit paraffé par 8 personnes sur 11? Cela est facile à comprendre. Vous voyez la composition de ce comité. On ne peut pas ne pas relever le fait que dans ce comité, il y avait un comité de 11 membres. Il y avait 7 francophones et 4 anglophone. Le fait mérite d'être souligné. Moi qui vous parle, je ne suis pas tellement particulariste. Sinon, je ne ferais pas l'effort de communiquer en français pour quelqu'un qui n'a jamais fait l'école du système français, que ce soit secondaire ou supérieur. Je n'ai jamais étudié dans le système français. Alors, c'est pour vous dire, mon cher compatriote, que je ne suis pas du tout particulariste. Mais nous devons avoir être suffisamment sérieux et soucieux de notre pays à prêter l'oreille à des revendications de nos concitoyens. Je dis cela parce que, à la tripartite, je n'allais pas être membre du comité. Pour le compte du RDPC, c'est le professeur Ebenezer Njomwele, secrétaire général du comité central à l'époque, qui avait été désigné. Mais immédiatement après, étant donné qu'il y avait donc le professeur Njomwele, M. Flambeau Ngayap et M. Ateba Ngwa pour le compte des partis politiques, les anglophones se sont immédiatement protestés. Ils ont protesté immédiatement. Ils ont dit non, on ne peut pas avoir 3 représentants des partis politiques, tous francophones. C'était séance tenante. En ce moment-là, on a dit bon, très bien, nous avons au rang du RDPC un anglophone, juriste sur quoi? Alors, très rapidement, donc, on l'a remplacé, le nom de Munzu à l'endroit du nom de professeur Njomwele. Alors, dans la commission... C'est très important. Permettez-moi. C'est très important. Mais sachez que nous n'avons pas indéfiniment du temps devant. C'est vrai, mais c'est des choses importantes qu'il faut que le pays puisse comprendre. Mais immédiatement après, les anglophones, toujours au sein des partis politiques, ont dit non, nous aimons bien M. Munzu, mais nous voulons un anglophone qui soit de l'opposition, parce que là, on n'est pas sûr de ce qui va se passer. Et c'est comme ça que M. Maître Content Elad s'est retrouvé dans le membre du comité. C'est là pour vous dire, mon cher compatriote, pour vous dire qu'il y a un sentiment, qu'il y a des soucis, qu'il y a des problèmes. Et quand les gens insistent qu'ils soient représentés comme anglophones et que la tripartite permette cela, il faut effectivement que les représentants des représentants.
Et nous avons estimé que c'était de notre devoir, non seulement pour faire plaisir aux anglophones, mais devoir à l'endroit de notre pays, qui est un pays composé de francophones et d'anglophones, de présenter le problème anglophone au sein de ce comité qui était appelé à doter notre pays d'un document qui servirait de la base d'une nouvelle constitution. Et vous l'avez fait? Nous l'avons fait à plusieurs reprises. Apparemment sans convaincre. Convaincre, je ne sais pas. Mais dans quelle hostilité? De telle sorte que nous avons été obligés, ce que nous n'aurons pas fait de gaieté de cœur, nous avons été obligés, les trois, Maître Elat, professeur Anyango et moi-même, nous avons été obligés d'adresser, étant membre du comité, nous avons été d'adresser un mémorandum au président du comité. Simplement parce que vos idées ne passaient pas. Peut-être que c'est un problème d'argumentation aussi. Oui. Alors, comme dit le comité là, travaillait sur la base du consensus. Très bien. Alors, vous savez, il faut savoir distinguer les situations si on veut effectivement faire marcher le pays. Ce n'est pas parce que on est dans la majorité qu'on peut, de manière légère, passer outre un problème qui est crucial pour le pays. Alors, j'ai relevé tout à l'heure qu'il y avait 7 francophones et 4 anglophones. Dans ce genre de situation, s'il fallait qu'on passe au vote, évidemment, la majorité étant francophone, c'était perdu d'avance. Et c'est pour cela que nous avons dit au président, et je me rappelle ce jour-là, j'ai émis ce que j'ai décrit comme étant, monsieur le président, vraiment, c'est un cri de cœur que je vous fais là, pour le compte de vos compatriotes anglophones. Alors, ce n'est pas une question technique, nous lui avons dit ça. Ce n'est plus une question technique. La forme de l'État est une question hautement politique. Nous aurons souhaité... Qui avait été évoqué d'ailleurs, la tripartite qui vous servait de base, n'est-ce pas, de discussion dans ce comité. Oui. Pourtant, la tripartite, ainsi qu'on l'entendra plus tard dans cette émission, ne faisait pas l'obligation de passer au fédéralisme. Mais voilà, effectivement, vous voyez... Pourquoi vous vouliez changer, oui, alors que vous aviez un mandat précis, vous voulez changer au niveau de la commission plutôt que de la... Oui, évidemment, en ce qui concerne le mandat de la tripartite, j'ai à plusieurs reprises, surtout au cours de ces dernières semaines... entendre dire que la tripartite ne donnait pas mandat de discuter, d'évoquer le fédéralisme. Enfin, premièrement, la première observation que je voudrais faire, c'est que je me tourne de ce que subitement, la tripartite devienne souveraine. Alors que nous savons que plusieurs choses, pour décisions, qui avait été prise par la... Elle n'est pas souveraine, puisque ce n'est pas définitif. Ouais, mais justement. Par contre, elle a tracé un canevas consensuel, n'est-ce pas, des forces politiques. À cet égard, permettez-moi de vous révéler une autre chose. Parce que là, ce n'est pas pour faire plaisir à Mounzou. Je vous dis bien, je me sentirais très bien dans ce pays et dans le système qu'on a instauré. Mais j'ai le droit, l'obligation même, le devoir... à l'endroit de mon pays, le Cameroun, de faire comprendre qu'il y a un problème anglophone et qu'on gagnerait à y prêter attention. Parce que nous allons l'évoquer tout à l'heure. Je crois que nous allons avancer dans cette émission avec maintenant le comité, l'autre comité technique qui est né, n'est-ce pas, après la publication de cet avant-projet, un comité technique donc... nommé, constitué d'experts, qui est supposé, n'est-ce pas, ce comité, recevoir tous les points de vue et toutes les critiques sur le projet. Alors ce comité fait l'objet de la chronique que nous propose maintenant Lucas Antoine. Le comité technique de révision de la Constitution constitue le statut premier d'élaboration de la nouvelle Constitution. Tel qu'annoncé le 2 mai dernier dans une interview exclusive à la CIR TV par le président de la République, ce comité technique dans sa composition regroupe outre les 11 membres issus du comité de rédaction sur les questions constitutionnelles de la tripartite de novembre 1991, 20 autres experts, ce que le pays compte de meilleurs juristes, professeurs d'université, magistrats, avocats, politologues et autres spécialistes des sciences sociales, philosophes, etc.
Dans le fond, à côté de l'avant-projet de constitution consensuel rédigé par le comité technique de la tripartite, le comité d'experts, coiffé par le professeur Joseph Orona, a essentiellement pour rôle de collecter pendant 2 semaines l'ensemble des avis provenant du large débat en cours en ce moment dans le pays. Contribution des Camerounais qui ont commencé et continuent de s'exprimer à travers les journaux publics ou privés, à la radio et à la télévision nationale. Sans oublier que les citoyens peuvent faire parvenir leurs contributions soit au travers des autorités administratives chargées de les diligenter auprès du comité ou alors déposer directement leurs contributions à son siège situé dans les locaux du premier ministère où toutes les facilités de communication existent déjà. À côté du large débat, les 31 membres du comité d'experts s'attellent donc à collecter les avis des citoyens d'une part et d'autre part, comme le disait le président de la République, je cite, à faire la synthèse entre le projet qui a été élaboré par la commission de la tripartite. Fin de citation. Voilà donc en clair ce à quoi s'attelle le comité d'experts assisté d'un secrétariat de 3 membres en attendant la mise sur pied d'un 3e organe, à savoir le comité consultatif constitutionnel qui englobera, outre ses experts déjà à pied d'œuvre à l'immeuble étoile, les chefs des principaux partis politiques et des personnes qui seront convoquées en raison de leur expérience et de l'intérêt qu'ils font montre pour les affaires du pays. Et c'est à ce stade-là qu'il y aura des discussions devant permettre l'élaboration du projet final à soumettre au président de la République. En clair donc, l'avant-projet de constitution soumis au débat et qui sera enrichi au stade actuel des contributions des uns et des autres est un document consensuel fortement enrichi et qui, dans le fond, reflète le large consensus dégagé sur les options constitutionnelles majeures de la tripartite de novembre 1991. On se rappelle encore, les 11 membres du comité de rédaction avaient alors proposé 9 points parmi lesquels la nécessité d'intégrer dans la Constitution un code des libertés fondamentales, l'instauration d'un régime semi-présidentiel avec limitation d'un mandat présidentiel à 5 ans, renouvelable une seule fois, la création d'organes constitutionnels nouveaux, l'aménagement d'une nouvelle répartition des pouvoirs entre l'État et les collectivités locales par l'instauration d'un pouvoir régional à l'échelon provincial et la définition d'un statut de l'opposition pour ne citer que ces quelques innovations. On le voit donc, l'avant-projet de constitution, fruit d'un travail consensuel du comité technique sur les questions constitutionnelles, est demeuré fidèle au mandat lui confié par la tripartite. Le document proposé, outre le fait qu'il s'agit d'un texte bilingue de 167 articles contre une 30aine pour l'actuelle constitution, préconise un pouvoir exécutif avec un président de la République et un gouvernement aux fonctions bien définies, un meilleur aménagement des rapports entre l'exécutif et le législatif, un pouvoir judiciaire rénové, une Cour suprême, une Cour des comptes, un Sénat, un Conseil d'État et j'en passe. Ils sont également préconisés la création d'une haute autorité de la communication et surtout un statut de l'opposition cadrant parfaitement avec le processus démocratique en cours dans le pays. Voilà, à la suite de la composition de ce comité technique, nous avons reçu, n'est-ce pas, la réaction de quelques partis de l'opposition. J'en ai deux, notamment, d'abord le Conservative Republican Party, qui, pour lui, si je m'essaie dans la traduction de ce document qui est en anglais, qui, je crois, on peut retenir deux axes essentiels. D'abord, le fait que ce parti pense qu'il fallait refaire, n'est-ce pas, l'emploi du temps, le temps de distribuer, n'est-ce pas, le document à tous les partis, à toutes les forces vives, de manière à pouvoir le discuter. Le CRP, n'est-ce pas, se dit également déçu de ce que le président de cette commission soit le secrétaire général de la présidence de la République et donc trouve que c'est une façon d'être à la fois joueur et arbitre. Ça, c'est la réaction du CRP que nous avons reçue. Nous avons reçu également une réaction de l'UDC qui, je crois, pose... fait des commentaires qui tiennent en 3 points essentiels. Le premier, c'est que le comité technique est bel et bien dans l'esprit de la déclaration tripartite, mais il pense à l'UDC que ce comité est partisan dans son élargissement. Ils disent également que le délai de 15 jours est insuffisant et qu'il doit être reconsidéré. Et la dernière... le dernier commentaire de ce parti estime que pour adopter, n'est-ce pas, il fallait une assemblée politique dans l'esprit de la déclaration de la tripartite plutôt que le comité consultatif constitutionnel qui est envisagé. Voilà donc sur ce comité. Je voudrais maintenant vous demander à vous, docteur, vous êtes membre également de ce comité technique, on vous a vu, n'est-ce pas,
un moment, là où siège le comité, probablement pour récupérer les documents, mais depuis lors, vous pratiquez la chaise vide. Oui, effectivement, nous sommes passés au lendemain de l'installation du comité, nous sommes passés chercher les documents qui éventuellement nous étaient destinés. Et c'est là justement pour étudier ce document, parce que comme nous vous le disons, c'est la première fois que nous le voyons. Et il était important que nous le parcourions pour voir jusqu'où ça reflétait. Vous allez revenir à ce comité? Je peux vous dire qu'en ce moment, la question est en train d'être étudiée. Ce n'est pas aussi facile que ça. Mais la commission lui-même, elle-même ne siège pas aujourd'hui. J'espère bien que d'ici... Le secrétariat technique est ouvert en permanence. Oui, mais pas le comité lui-même. Je ne fais pas partie du secrétariat technique. Mmh. C'est pour vous dire que, en ce qui nous concerne, j'ai entendu, dès l'entrée de jeu même, l'un de nos collègues, si j'ose dire, frère, le ministre Itoué, mais nous préconisons déjà de ne pas boycotter, alors qu'on n'avait même pas vu les documents, on n'avait rien entendu. Ça peut vous dire que quelque part, il y a quelque chose que les gens même craignaient déjà. Peut-être par l'habitude que vous avez donnée d'être toujours aux abonnés absents. Enfin, je ne sais pas à qui vous faites allusion, mais moi, je ne me suis jamais absenté d'où que ce soit, où j'ai été convoqué, non. Est-ce que cela peut vous arriver d'être carrément absent? Pour cause de maladie, par exemple, ou de déplacement, ou bien pour ce comité. Pour ce comité. Pour ce comité, on verra bien, parce que vous voyez, on n'assiste pas à un comité pour le plaisir de le faire. C'est l'occasion que vous avez de faire valoir vos idées. Justement, je sais pour cela que malgré tout, nous continuons à y réfléchir. Parce que si ce n'était pas ça, on aurait dit dès le départ, on aurait peut-être écrit au chef de l'État pour lui remercier de l'honneur qu'il nous faisait, mais pour lui dire que, en raison de l'expérience que nous avons déjà faite, nous préférons ne pas faire valoir et aider à... Alors, ben, c'est comme vous dites cela tout à l'heure. Il ne faut pas désespérer de vous revoir dans ce comité. Vous savez, les anglo-saxons disent... Pas tout à fait. Quitters are the loser. Oui, mais il y a plusieurs manières of quitting, n'est-ce pas? Les absents d'or. Enfin, pas dans toutes les situations. Parfois, effectivement, on est très présent en étant absent. Venons-en maintenant, docteur, au problème anglophone. Vous qui étiez parmi les initiateurs de la All Anglophones Conference, comment posez-vous, n'est-ce pas, ce problème, cette question anglophone aujourd'hui? La question, tout en étant complexe, me paraît en même temps simple. C'est que le Cameroun est issu de deux entités, deux composantes qui ont fait l'expérience de la colonisation. Et cette expérience les a léguées, certaines habitudes, certaines connaissances, certaines méthodes dans la conduite des affaires publiques. Et c'est pour laisser à chacun de ces systèmes la possibilité de bien évoluer que ceux qui ont négocié la réunification avaient eu la sagesse d'adopter le fédéralisme comme forme de l'État. Et je peux vous dire que le fédéralisme comme forme avait été présenté aux Camerounais de l'ancien Cameroun méridional sous tutelle britannique. Et c'est sur cette base-là, sur la base d'un document des Nations Unies intitulé « The Two Alternatives », que les populations avaient été amenées à voter en faveur de la réunification avec la République du Cameroun. Et il aurait été normal qu'on respecte cette base de la réunification. Là, nous sommes en 1961. Effectivement. Et en 1972, il n'était pas du tout évident que les facteurs qui avaient justifié, je dirais même imposé le choix, parce qu'on aurait pu passer à l'État unitaire même en 61. Mais si on ne l'a pas fait, c'est justement parce qu'il y avait des facteurs, de certaines réalités
qui ont voulu qu'on adopte le système fédéral. Pourtant, c'est par référendum qu'en 72, on passe à l'État unitaire. Justement. Alors, en 72, ces facteurs-là, je disais, existaient toujours. Malgré cela, on a voulu organiser un référendum. Mais ce référendum lui-même, nous disons qu'il était anticonstitutionnel. Pour quelle raison? Pour la simple raison que l'article 47 de la Constitution du 1er septembre 1961 prévoyait de manière explicite. Et d'ailleurs, cet article était consacré, constituait à lui seul un titre, le titre 10, si je ne me trompe pas, et intitulé « De la révision de la Constitution ». Alors, il s'agissait donc d'une disposition spéciale, particulière, traitant du sujet de la révision de la Constitution. Qui s'intitulait quoi? On peut simplement résumer, oui. N'est-ce pas? En résumé, justement, cet article disait que, premièrement, toute proposition de révision de la Constitution qui mettait en cause l'unité, l'intégrité de la fédération était irrécevable. Deuxièmement, cet article prévoit bien l'unité et l'intégrité de la fédération était irrécevable. Mais plus important encore, cet article à la ligne 4, justement, disait que, et là je me permets de vous donner lecture de cela parce que c'est... Alors que dit concrètement cet article? Oui, cet article et plus particulièrement, la ligne 4 disait « La révision de la Constitution doit être votée à la majorité simple des membres composant l'Assemblée fédérale, à condition toutefois que cette majorité comporte la majorité des représentants de l'Assemblée fédérale de chacun des États fédérés. Et deuxièmement, que le président de la République fédérale peut, dans les mêmes conditions que pour une loi fédérale, demander une seconde lecture de la loi de la révision. » Et cette deuxième lecture, quelles étaient ces modalités, cela a été prévu à l'article 18, qui disait « Avant leur promulgation, les textes peuvent faire l'objet d'une demande de seconde lecture par le président de la République fédérale de sa propre initiative ou sur la demande de l'un des premiers ministres des États fédérés. En seconde lecture, la loi n'est adoptée que si la majorité définie à l'article précédent, donc majorité simple, comporte la majorité des voix des députés de chacun des États fédérés. » Alors, il nous est difficile de savoir concrètement ce qui s'est passé en 1972, mais il est quand même notable de constater qu'on a eu recours à un référendum. Mais justement, on a eu tort d'avoir recours c'est à une expression encore plus forte que toutes les autres, parce que c'est le peuple souverain dans son entièreté qui a parlé. Justement, je ne sais pas quel juriste pensera autrement, mais je peux dire que ce soit dans le système français ou le système anglais, il est constant dans le milieu juridique que quand il y a deux dispositions sur une matière, sur un sujet, dont l'une est spécifique à la matière et l'autre est générale, en cas de conflit, le spécifique prévaut sur le général. Alors, croyez-moi, juridiquement, étant donné qu'il y avait un article qui traitait spécifiquement de la révision de la Constitution, c'est cet article-là qui devait être appliqué. Mais pourquoi est-ce qu'on a recouru au référendum? C'est justement parce que, d'abord, on a senti que si on appliquait le système de l'article 47, le Premier ministre du Cameroun occidental allait effectivement demander une seconde lecture, parce que les anglophones n'auraient pas accepté, 10 ans après la réunification, qu'on mette fin à la base, à l'accord qu'il y avait sur la base. Qu'est-ce que vous faites dire ça, puisque la plupart de ceux qui étaient anglophones et qui étaient au pouvoir ont cautionné ce référendum? Enfin, ils ont fait de quoi? Est-ce que vous avez... J'aurais souhaité que vous soyez à Boyer tout récemment, sur le témoignage de ceux même qui ont négocié ça, comme le monsieur Mouna, le monsieur Fancha, n'est-ce pas?
C'est pour cela d'ailleurs que... Qui n'ont pas combattu la forme pendant tout le temps qu'ils ont passé, que nous avons passé sous cette forme. Oui, mais ce n'est pas pour cela qu'on va dire qu'on ne doit pas combattre la forme. Si on n'a pas combattu l'esclavage pendant je ne sais pas combien de siècles, mais quand le moment est arrivé où on devait combattre l'esclavage, on l'a fait. Que reprochez-vous concrètement à ce que vous appelez la majorité francophone? Et je peux ajouter également, quelle serait devenue la France si, suite à la signature de l'armistice, n'est-ce pas, l'armistice entre la France et l'Allemagne, sous l'égide du maréchal Pétain, le général de Gaulle avait accepté cela comme ça, n'est-ce pas, où serait la France aujourd'hui? Ce que nous disons, ce n'est peut-être qu'on ne peut pas ne pas prêter l'oreille à des problèmes d'un peuple. Et la différence qu'il y a eu entre la conférence de Buea, où j'ajoute, qui a été convoquée par trois simples citoyens que nous sommes, la réponse à cela par rapport à ce qui s'est passé à Manfé une semaine plus tard, et par rapport à ce qui s'est passé à Bamenda il y a de cela une ou deux semaines encore, lesquels avaient été initiés par les gens qui sont au pouvoir. Cela devrait, mon cher compatriote, nous apprendre des leçons. Ce n'est pas pour faire plaisir à Mounzou, ce n'est pas pour faire un torse à M. Alors, vous avez parlé de ce retour qui, selon vous, est anticonstitutionnel, ou plutôt de cette unité de l'État. Référendum. Bon, mais d'un point de vue concret, qu'est-ce qui fait le hiatus entre ce que vous appelez, vous, majorité francophone et les anglophones? C'est que, d'ailleurs, vous savez, l'émission n'est pas assez longue pour que on a le détail. Vous pouvez quand même dire ce qu'il y a d'essentiel. Oui, justement, et l'essentiel est dans, je vous préconise, ce qu'on a appelé the Buea Declaration. D'ailleurs, nous avons maintenant une traduction. Vous pouvez nous le redire ici, vous nous faisiez le reproche de vous avoir pas... Non, justement, je vous le dis, oui, mais je préconise en même temps que pour une meilleure compréhension de cela, que l'on lise ces documents qui existent maintenant en français. Cela dit, vous savez, il faut qu'un soit un citoyen se sent impliqué dans la gestion de la souveraineté dans son pays. Les anglophones ont le sentiment, on parle aujourd'hui de marginalisation, de ne pas être impliqué dans la gestion, dans l'exercice de la souveraineté de leur pays. Si on avait le détail, mais voilà, d'ailleurs, une chose. Deuxièmement. Comment ça, pas dans l'exercice de la souveraineté du pays? Parce qu'ils sont exclus des centres réels de prise de décision dans ces pays, que ce soit dans les domaines militaires, social, économique, et j'en passe. Comment vous savez ça? Mais l'analyse est faite, et il ne faut pas, c'est pour ça que, d'ailleurs, que je vous renvoie à ces documents. Il y a pourtant beaucoup d'anglophones qui sont des hauts responsables de ce pays. Y a-t-il d'autres cercles pour prendre des décisions? Oui, bien sûr, vous voulez parler de la présidence de la République? Ce n'est pas ça. Mais vous savez, peut-être que vous ne savez pas, mais le statut du Cameroun, n'est-ce pas, de 1957, a été signé parmi les signataires du décret de 57 qui portait statut du Cameroun. Il y a eu, parmi les 10 hauts responsables de la France, membres du gouvernement français, il y avait un certain Félix Houphouët-Boigny, qui à l'époque était ministre auprès du conseil de ministre délégué au conseil ministériel, quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas pour autant que la Côte d'Ivoire cessait d'être une colonie de la France. C'est pour vous dire que... Vous placez vraiment les rapports en ces termes de coloniser et par rapport... Ça, j'espère bien que ça vous donne une idée. C'est ce que les gens ressentent. Vous estimez que les anglophones sont colonisés? S'il faut le dire, il y a ce sentiment-là chez certains, oui. On peut ne plus utiliser le terme de la colonisation, mais vous voyez, la colonisation, ce n'est pas seulement une question de vocabulaire politique. Ça se traduit par quoi? Ils ne sont pas dans les sphères des décisions. Ils ne sont pas bien dans qu'on constate sphères. Qu'ils sont responsables souvent à un haut niveau. Oui, c'est comme je vous ai dit là, en prenant le cas de M. Félix Houphouët-Boigny. Et si on veut examiner ça, dans quel service voyez-vous que les anglophones soient placés pour prendre des décisions?
En ce moment, est-ce que vous savez que jusqu'à la semaine... Pourquoi vous tenez à faire cette dichotomie dans un pays qui a choisi la forme bilingue? Choisir la forme... En plus, vous réduisez... Oui. Oui. Ce n'est pas moi qui choisis. La réalité est là. Le pays même est né de cela. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on refuse. On refuse la base de la création de notre pays. Ce n'est pas moi qui refuse. Qu'est-ce que vous attendez du fédéralisme? Du fédéralisme? Ouais. On attendait qu'on laisse à chaque composante de ce pays la possibilité d'évoluer en application du système qu'elle a toujours connu. Et en cela, nous n'innovons pas. Nous n'introduisons rien de neuf. Partout dans le monde, que ce soit en Afrique, en Asie, chaque fois qu'il y a cette réalité dans une communauté nationale, le fédéralisme en a été la solution. Et ceux qui ont fondé cet État réunifié, et là je peux vous dire que les anglophones, qui d'ailleurs, il n'y a que eux seuls qui ont voté en 61, et quand ils votaient, il faut voir la proportion entre ceux qui ont dit oui, nous voulons la réunification, et ceux qui ont dit non, pour savoir qu'ils ont fait de gaieté de cœur. Hein? Souvent, « How nice to be with our brothers » et tout ça. Alors, l'expérience de 30 ans montre qu'en raison surtout des refus de compréhension, on a voulu faire, comme d'ailleurs on a fait au sein de notre comité, faire semblant que le problème n'existe pas. Vous ne pouvez pas souffrir un mal. Vous êtes en train de vous plaindre. Et celui-là qui ne ressent pas le mal continue à vous dire, non, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas mal, vous ne souffrez pas. Alors, ce que je voudrais profiter de l'occasion que vous me donnez, de dire, et de dire, en étant soucieux de l'unité de notre pays, la paix, le progrès et tout ça. Alors, il ne faut pas assimiler le fédéralisme à la sécession, à ceci, comme j'ai entendu les gens dire. Il ne faut même pas ramener cela à une question de gestion des ressources, que ce soit pétrolier ou... Je vous propose de suivre encore là-dessus une attitude du professeur Joseph Owona qui justifie justement le comportement du comité technique par rapport à cette exigence qui est la vôtre du fédéralisme. Je crois que la tripartite n'avait pas parlé expressément de fédéralisme. La tripartite nous avait donné la mission de définir un pouvoir régional. Je pense que cela est tout à fait clair. À nous donc de déterminer les contours de ce pouvoir régional, et je crois que les thèses peuvent varier, et elles ont effectivement varié au sein du comité. Certains nous ont amené les mêmes thèses qui aujourd'hui ont été présentées à Bouya, mais ces thèses n'ont pas été, je dirais, elles n'ont pas pu triompher au sein du comité. Le comité pense que le problème essentiel pour le Camerounais, c'est d'assurer la gestion des affaires locales pour permettre un développement spontané, pour permettre la protection des minorités, pour permettre la survivance d'un certain nombre de cultures. Nous avons d'ailleurs beaucoup discuté, et vous verrez que le texte qui est sorti de cela, en ce qui concerne les collectivités locales, est un texte de compromis. Vous verrez que il y a quand même, si vous savez le lire, vous verrez qu'il y a eu un compromis assez important au gouvernement à regarder ce compromis, ce qu'il peut en faire et ce qu'il peut puiser dans ce compromis. Voilà, docteur, on se rend bien compte que là, le problème est peut-être, dans un débat consensuel, d'amener les gens à penser comme vous. Non, très, très bien, mais écoutez, nous traitons là d'un sujet très sérieux. Et je répète une fois de plus, je répète que ce n'est pas à un comité technique, qu'il soit de 11 membres ou de 29, ce n'est pas à ce comité-là de trancher un problème, une question aussi fondamentale que celui-là. Le comité Alors, n'a pas mission de trancher quoi mais, que ce soit. Il fait des propositions. Voilà, c'est pour cela justement que nous avions préconisé, dans ce cas-là, que le comité présente, dans l'alternative, deux avant-projets de constitution.
Puisque ce n'est pas au comité technique de décider une question aussi politique que ça, mais les techniciens que nous sommes bien capables et nous devons être bien capables de dire, bon voilà, si on travaille sur la base d'une fédération, quelle est la constitution que nous pouvons proposer au peuple camerounais? Si l'on travaille sur la base d'un État unitaire, quelle est la constitution que l'on pouvait proposer? Nous aurons pu et dû procéder de cette manière, mais en optant pour un choix et non pas l'autre, je dis que le comité technique s'est arrogé le pouvoir de décider à l'endroit des Camerounais. Il avait déjà ce mandat d'ailleurs de la tripartite. Non, vous me parlez, je vous en prie, on évoque toujours la tripartite. D'abord, ce n'est pas moi qui dois vous dire que la tripartite, ceux qui ont participé se sont plaints du fait que les décisions de la tripartite n'aient pas été respectées. Et on pourrait le démontrer. Alors, je ne vois pas pourquoi, subitement, on nous sort la tripartite. Quand on dit, comme le président vient de le dire, que... C'est une façon de respecter les décisions, comme vous dites. Oui, voilà. Quand ces décisions-là, vous les imprenez, à condition qu'on les interprète favorablement à soi-même. Quand on dit la tripartite, je ne sais pas si vous avez été là, mais moi, j'y ai été. J'ai suivi. Si vous avez été, vous avez suivi le débat à ce sujet. Et soyons honnêtes. Qu'est-ce que les anglophones qui ont intervenu, qu'est-ce qu'ils disaient? Qu'est-ce qu'ils ont réclamé? Vous êtes d'accord avec ce qui est sorti de cette tripartite comme point de consensus? Tout à l'heure, j'ai voulu vous évoquer également même la manière dont ce document-là avait été rédigé. C'est qu'on on se base là-dessus. Je vois quand j'ai retiré les documents qui nous revenaient, je vois même que le président a pris la peine d'imprimer à titre de rappel. C'est que la tripartite aurait décidé. Hein? Mais si j'avais le temps pour que je vous dise comment cela a été rédigé et rédigé de cette manière-là. Mais pour nous, ce n'était pas important parce qu'on se disait qu'il y aura suffisamment la possibilité. Est-ce que vous savez que pour rédiger ce texte sous cette forme, le président qui venait d'être, notre comité venait d'être constitué ce 17 novembre 91, il a profité du fait que M. Anyangwe et moi-même étaient en plein de travailler sur la version anglaise de l'avant-projet de décret portant accès de partis politiques, n'est-ce pas, aux médias. Il en a profité pour réunir les membres du comité. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils ont sorti ce qu'ils ont sorti, en nous portant absents. J'ai été obligé de m'expliquer auprès du président de séance, du premier ministre Sadio Ayatou, séance tenante. Parce qu'effectivement, lui, en lisant, présentant les rapports, nous a porté absent. Alors, c'est pour vous dire que, de toute façon, nous ne nous en sommes pas plaints parce qu'on s'est dit, bon, il y aura la possibilité au sein du comité même de faire entendre sa voix. Alors, le comité finit maintenant et fait des propositions dans le sens d'une décentralisation qui, comme on vient de l'entendre de la bouche du professeur Joseph Owona, cette décentralisation comporte quelques points de compromis. Ce n'est pas le cadre d'une expression des particularités que vous voulez défendre par le fédéralisme. Oui, mon cher ami, j'aurais vraiment souhaité que le président, le ministre Owona, nous dise quels sont son consensus, le compromis, quels sont les éléments qu'il a pris de nos propositions, quels sont les éléments, je ne sais pas si vous avez... Que pensez-vous de ce projet de décentralisation? Je dois dire que je suis entièrement déçu, non seulement en tant qu'anglophone. Parce qu'il n'y a pas le fédéralisme. D'abord, faites du jusqu'au boutisme, voilà, finalement. Voilà, ne mettez pas ça comme ça, ne me prêtez pas ni de mots ni d'intentions. Non seulement je suis déçu, non seulement parce que je suis anglophone et si vous voulez fédéraliste, je ne cache pas ça parce que j'estime que ça va dans l'intérêt du Cameroun. C'est mon point de vue, le fédéralisme, dans l'intérêt du Cameroun tout entier. Mais en plus, est-ce que même dans la partie francophone du pays, est-ce qu'on peut dire que ce qui est proposé là, sur le titre consacré à la décentralisation, est-ce que c'est cela que le Camerounais aurait souhaité? Qu'est-ce que vous critiquez précisément?
D'abord, que ça ne va pas suffisamment loin. Le pouvoir est toujours centralisé. Et je peux vous le dire, vous ne le comprenez peut-être pas. Il manque quoi? Vous savez, ce que nous avons par erreur appelé la fédération de 71 à 72 était véritablement un État décentralisé, un État unitaire décentralisé. Je m'explique. Nous avons eu un premier ministre du Cameroun occidental, ce qui allait être un État indépendant. Le premier ministre du Cameroun occidental était nommé par le président de la République fédérale, tout comme on nous propose maintenant de nommer le gouverneur. L'État du Cameroun occidental n'avait pas la possibilité de to raise taxes, c'est-à-dire les revenus, collecter les impôts, ouais, les revenus et tout ça, n'est-ce pas? Ce qui l'a amené à demander des subventions des autorités fédérales, ce qui ne permet pas à cet État de fonctionner normalement. Il y avait toute une série de mesures, autrement dit, même sous la forme de la fédération, de l'ancienne fédération, c'était en réalité, si vous analysez bien, c'était un État unitaire décentralisé. Alors, aujourd'hui, on alors vous pourquoi dit, vous refusez la décentralisation si elle peut permettre d'évoluer dans des conditions oui, d'un fédéralisme, justement parce que, comme je viens de dire, même ce qu'on a appelé la fédération, mais qui était effectivement un État unitaire décentralisé, ne donnait pas satisfaction. Comment voulez-vous qu'on revienne à cela? Il faut faire mieux. Alors, que comptez-vous faire maintenant? Enfin, ce n'est pas moi ou nous qui comptons faire. Nous sommes. Oui, vous êtes à la tête Oui, justement, ce que nous espérons, et c'est pour cela que nous continuons à dire que ce n'est pas un comité technique qui décide d'un problème hautement politique. Alors, nous espérons donc pouvoir verser dans le processus de consultation, à la procédure de consultation actuelle. Nous avons versé nos propositions. Le comité a fait le sien. Nous ne pouvons plus faire cela sur l'égide du comité parce qu'on aurait souhaité justement que le 17 mai, on remette au Premier ministre des documents. Et le Premier ministre qui est de culture anglophone vous le confirmera. On a l'habitude d'avoir a majority report and a minority report quand on ne s'entend pas. On sort deux rapports. Un rapport de la majorité, un rapport de la minorité. Alors, ce vous qui allez permet, préparer ce, le... Ce qui permet, excusez-moi, ce qui permet aux décideurs de mieux appréhender le problème et pouvoir décider. Alors, cela rend important votre participation à ce comité technique. Moi, personnellement, je ne refuse pas cela. Il est important. Et d'ailleurs, si nous avons convoqué la All Anglophone Conference, c'était dans l'optique de la participation des anglophones dans ce que nous avions cru allait être un débat national, hein? Un débat, alors que ce soit grand ou large, peu importe, mais un débat national. Nous espérons que les conditions d'un débat sont toujours là et que si elles ne sont pas là, qu'elles seront là. Alors nous ne pouvons pas louper cette occasion de verser dans le débat au niveau national justement nos préoccupations. Soyez donc rassurés que, en ce qui nous concerne, nous allons faire cela. Et si pour le faire, il faut aller assister à ce nouveau comité qui a été institué, nous le ferons. L'essentiel, c'est que les Camerounais aient la possibilité de comprendre. Ça, c'est essentiel pour tous les Camerounais, aussi bien anglophones que francophones. Et je pense qu'on se fait le tort de croire que cette revendication n'est que une revendication des anglophones. Nous avons vécu l'expérience des autres pays, des autres sociétés, nous montre bien. Pourquoi ne pas écouter les gens? Nous éviter, vous avez passé tout à l'heure jusqu'au boutisme. Moi, par tempérament, je n'aime pas l'extrémisme d'un bout ou d'un autre. Mais si on continue à vous dire non, 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 alors que c'est vous qui sentez le mal, immédiatement, vous tournez en extrémiste, quelqu'un qui, par formation, par tempérament... L'anglophone est mal dans sa peau. Très mal. Pour quelle raison? Lisez The Boyer Declaration. Vous avez évoqué les routes et pas mal de projets
De oui. nombreux Camerounais, de nombreux autres Camerounais connaissent les mêmes problèmes. Voilà, tout à fait. Moi, on est d'accord. Et vous croyez que c'est un ostracisme dont sont victimes les anglophones, parce qu'ils sont anglophones? Écoutez, il faut savoir, être anglophone, c'est très global. Hein? Et d'ailleurs, une précision, nous n'avons jamais dit, jamais, et the Boyer Declaration fait cette précision. Nous n'avons jamais prétendu qu'il n'y avait que les anglophones qui avaient des problèmes dans ce pays. Hein? Et moi, j'aurais souhaité, soyons clairs, j'aurais souhaité, par exemple, que certains compatriotes du Sud, j'ai quand même eu l'occasion d'aller dans l'arrêt pays de la province du Sud. C'est faux de croire qu'ils ont gâté là-bas. Encore, ne parlons pas de l'Est. Ce n'est pas parce que les autres, pour les raisons qu'ils estiment, qu'ils ne connaissent pas, ne voudraient pas soulever les problèmes qui les préoccupent et les mettre sur le plateau. Ce n'est pas pour cela qu'on doit dire aux anglophones de ne pas le faire. D'ailleurs, nous avons espéré que le débat national donne justement l'occasion pour que nos compatriotes de la province de l'Est, qui doivent avoir des préoccupations, les ressortent. Que ceux de la province du Sud font pareil, que ceux de Damawa, l'extrême nord, fassent pareil. Et c'est pour ça que nous avons d'ailleurs déploré, si je peux me le permettre, la forme de consultation qui a été choisie là. Parce que justement, cette forme de consultation ne permet pas aux Camerounais d'exprimer, parfois même de manière contradictoire, leurs diverses préoccupations. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est de vous remercier de cette occasion qui m'a été offerte et de lancer un appel, peut-être même une prière, à l'endroit de mes compatriotes, surtout francophones. Leur rappeler que c'est par amour et par la fraternité que les anglophones avaient décidé en 61 la réunification. Ils auraient pu décider autrement. Et cela nous impose certaines réalités que nous devons tenir en compte si nous voulons construire un pays. Vous voyez un fédéralisme uniquement à deux États. Bon, là également, c'est une question que nous avions souhaité pouvoir soulever dans le cadre d'un débat national. Bon, si l'on passe sur la base historique de la source, l'émergence postcoloniale de notre pays, Monsieur Elundu Angamba, vous ferez comme moi, vous penserez en premier en termes d'anglophone-francophone. Mais si par hasard, dans le cadre d'un débat national, il était question pour d'autres régions, par exemple du côté francophone, de dire, bah, écoutez, nous aussi, pour telle ou telle ou telle, en fonction de telle ou telle ou telle réalité, nous estimons que nous voulons un plus large degré d'autogestion, de gestion de notre affaire. Ce n'est pas les anglophones qui diront non. Telle ne semble d'ailleurs pas être la préoccupation des anglophones du Sud-Ouest, notamment de façon générale. On a eu les chefs qui ont parlé, vous êtes du Sud-Ouest, je sais. Mais. Oui, vous faites bien d'ajouter très rapidement que je suis du Sud-Ouest. Ce n'est pas partagé là par... Vous dites ça sur la base de Caire, parce que quelques chefs, même s'ils sont à 200, se sont réunis à Montfait. Est-ce que vous ignorez qu'à Montfait, justement, les médias publics et le pouvoir en général a mis en exergue le discours de bienvenue présenté par un chef, où justement ce chef-là, pour les raisons qui lui sont propres, disait qu'il ne faut pas mettre le Sud-Ouest avec toute autre province, etc. Mais mon cher ami, ce n'est pas dans la résolution de la conférence des chefs. Et parmi ceux qui ont initié la réunion de Boya, il y avait trois du Sud-Ouest. Boya est au Sud-Ouest. Est-ce que vous croyez qu'on aurait osé tenir une telle rencontre des anglophones à Boya, sachant que Boya étant le chef-lieu de la province du Sud-Ouest, sachant que le Sud-Ouest est hostile à cela? Non, ne nous trompons pas. Et c'est le message que je veux donner.
Ce n'est pas parce que certains responsables, pour les raisons qui leur sont propres, se permettent de tromper le pouvoir qu'on doit imaginer qu'ils servent l'intérêt du pouvoir. Cette affaire est suffisamment grave pour que les Camerounais, sans passion, écoutent pour qu'on puisse trouver une solution. Ce n'est pas parce que certains, qu'ils soient ministres ou députés ou tout quoi, je ne sais pas quoi, viennent vous raconter ce qu'on raconte. La réunion de Bamenda s'est avortée. Qui les avait initiés? Vous ne parlez sans le savoir. Mais c'est l'esprit de Bouya qui a fait avorter cela. La réunion de Manfé également a été avortée, je peux vous le dire. Qui a initié cela? Les chefs, les ministres, et comme ça. Et celle de Bouya, où justement la CRTV était présente, nous avons vu, radio et télévision, pendant les deux jours. Ils ont fait enregistré des cassettes et des cassettes. Jusqu'à ce jour, on n'a pas voulu, je n'ose pas dire, on n'a pas osé montrer à la télévision camerounaise même 2 secondes. Vous êtes là, vous qui en êtes l'initiateur, vous étiez là ce soir pour essayer de nous en donner. On sait qu'il y avait 5000 personnes, nous l'avons dit. Permettez-moi, vraiment, il faut, tout à l'heure, vous m'avez posé la question pour démontrer que on a célébré la fête nationale dans la joie. Vous avez évoqué la foule. Alors, vraiment, j'aurais souhaité, peut-être je peux lancer l'appel, mais maintenant, qu'on monte, c'est une affaire qui a duré 2 jours, qu'on monte peut-être rien que 3 secondes les images de Bouya, pour que les francophones comprennent. De toute façon, nous espérons que vous avez eu suffisamment de temps pour passer votre message ce soir là-dessus, dans la perspective du débat. Et sur ce, moi, je voudrais vous remercier d'être venu sur le plateau d'Actualité Hebdo. Mesdames, messieurs, je vous remercie également d'avoir suivi cette émission. Bonsoir et à une prochaine fois, j'espère, dans de meilleures conditions.